souvenir, souvenir. J'aime mon mie. Pardon, allez-y Patrice. Alors Fabrice Schwert est vainqueur de la Coupe du Monde. Ah là là, de quoi? De trampoline. Oh, on va faire du trampoline. Je trampoline. Sais pas si nos micros marchent, j'aimerais bien qu'on je en ait. Je le pire. Ça marche, c'est parfait, très bien. Et ça, oh là c'est là. Fabrice Schwert, donc qui est vainqueur de la Coupe du Monde de trampoline. Et il y aura Nathalie Traille qui est championne de France. Bonjour bonsoir. Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Etienne. Regardez ça. Etienne va faire ça après, évidemment. Voilà, nous retrouvons Fabrice qui est champion d'Europe en titre, donc. Et qui vous présente une série de bases dans les doubles sauts périlleux. Ça c'est beau, hein. Ah pardon, bonjour. Ce sont des exercices qu'il présentera au prochain championnat de France qui va avoir lieu les 2 et 3 juillet à Levallois. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Et surtout au championnat du monde qui ont lieu les 7 et 8 octobre. 8 et 9 octobre, je crois. Voilà, 8 et 9 octobre à Porto. À Porto. Voilà. À vous. Je vais laisser Fabrice prendre ma place et je vais aller m'envoyer en l'air à sa place. Très bien. Bah, écoutez, on va vous regarder faire ça. Vous avez un joli petit costume déjà. Je sais pas ce qu'on pense. Tenez, jeune homme. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça va, champion d'Europe, hein. Oui, c'est ça. Vainqueur de la Coupe du Monde, il est. C'est pour pas voilà, tombe, donc ça, nous tombe. Allons. Regardez. Excusez-moi, parce que on la regarde, après, ça on la va être à vous. Soufflé. Oui, en fait, le cœur monte à 200 pulsations minute en 30 secondes. Le trampoline est un sport essentiellement isotonique, donc la capacité de respiration diminue rapidement. Nathalie, qui est la spécialiste des doubles vrilles, est-ce que c'est... et qui est 7 fois championne de France. 7 fois championne de France. La, voilà, la double vrille, c'est quand même la recordman de France. Quelle est la difficulté des champions de France? La difficulté de la double vrille, quelle est-elle exactement? C'est de rester le plus tonique possible, pour voir le plus tôt possible. Voilà. Et pouvoir continuer à enchaîner. Alors évidemment, nous, si on voulait faire du trampoline, on ne pourrait pas faire du trampoline, vlan pouf, comme ça, tagadac, soin de soin. En revanche, Etienne Chico est spécialiste. Etienne Chico est spécialiste. Oui. Tout à fait. Enlevez vos chaussures, vous pouvez essayer. Oui, je vais enlever mes chaussures. Ça monte à combien de pulsations? 200. 200, c'est rien pour vous. À combien de secondes? 30 secondes. Bon, je vais en faire une seconde alors. On a l'impression d'être plus léger comme ça dans l'air. Est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus léger qu'au sol, quoi? On est très lourd en fond de toile. Par contre, c'est vrai que quand on descend, on est très lourd. On est très très lourd. Je ne peux pas vous dire exactement. Ça va pas jusqu'à 1 ou 2 G, sûrement pas. Tu le vois le film? On voit le film, Dieu que les femmes sont amoureuses. Bien sûr qu'on voit. Tu le vois là. Allez-y, bon. On va le voir mieux quand vous serez sur le trampoline encore. Il est hyper bien serré, moi. Mais c'est pas grave. Si, c'est bien. On va commencer sans le harnais. Sans le harnais. Sans le harnais. Allons, dépêchons-nous, il nous reste 6 minutes et 30. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Qui est sur la chaîne? Ah oui. Aidez Etienne à monter. Il faut peut-être que j'enlève mes chaussures. Voilà. Voilà, alors en fait, il faut savoir que... Je rappelle, pardonnez-moi, que Etienne Chico a 71 ans. Ouais. Et qu'à 71 ans, c'est un exploit. Voilà, alors tranquillement, vous ne cherchez pas à aller haut. Vous cherchez à être bien stable sur vos deux. Elle n'a pas de micro, je vous Est-ce qu'on vomit avant ou pendant? Après, d'accord. Les bases du trampoline, c'est-à-dire qu'il va faire les premières figures pour arriver à se stabiliser, reconnaître un petit peu sa toile. Oui. Vous allez essayer de faire ça. Il paraît assez tonique, là. Il est tonique. Il est comment? Se grouper, vous montez vos deux genoux groupés sans vous pencher vers l'avant. Alors là, il lui fait faire une figure de les jambes. Il s'agit de monter les bras vers le haut et d'attraper ses genoux. C'est voilà, quand même encore un. D'un sacré niveau pour un débutant. Voilà. Vous avez vu comme il est tonique? Il est tonique. Hyper tonique. Excusez-moi, Béatrice. Anne, comment ça s'appelle? Nathalie. Allongez vos jambes devant. C'est ça. Alors là, on va faire. On va essayer avec le harnais, Nathalie, si vous permettez. Oui. Assez rapidement, qu'il nous reste 6 minutes. Et oui, je comprends bien. On a vu que vous étiez très tonique, hein, quand même. Tournez-vous dans l'autre sens, s'il vous plaît. Non, dans l'autre, voilà. Voilà. Resserrez la ceinture. Et là, vous allez voir, ça va être tout d'un coup très facile. Et là, c'est très bon pour les. Vite, il nous reste 5 minutes. Mais qu'est-ce que je fais? Regardez, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Face au projecteur. Je ne m'inquiète pas. C'est la surprise. Voilà, on va resserrer bon. Voilà. Alors, attendez. Je remercie les attachés de presse du film. Etienne. Merci beaucoup, les filles. Écoutez-moi, si vous tirez sur les bras, vous montez mieux. Voilà. Je comprends bien. Quand vous êtes en bas, tirez sur les bras. Ouais. Il faut rester bien dur avec les jambes en fond de toile. Bien dur avec les jambes en fond de toile, laissez-vous bien tomber au fond. Voilà, fond toile, magnifique. Jambes bien tendues les jambes. Bien tendues les jambes et bien droites. Bien tendues les jambes. On essaie peut-être un petit salto, non? Un salto, allez un salto. C'est quoi? C'est quoi? Faut monter les genoux et... Oui. Viens embrasser la toile. C'est magnifique. C'est bon, non? Ça c'est très bien. C'est formidable. C'est bon, encore un coup. C'est surtout formidable. Un petit coup, Étienne. C'est formidable si tu veux, c'est pour les couilles. Il faut savoir que cet appareil... Lâchez les mains. Lâchez les mains. Voilà. C'est une préparation pour nous également. Laissez-le. Il va se débrouiller. C'est magnifique. C'est pas une animation. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une association, l'association Aériole, qui
voilà. ce genre de manifestation qui permet donc de nous apprendre des figures assez dangereuses que l'on ne peut pas faire sur un trampoline et qui propose des animations la journée. Très bien, donc pour le spectacle pour, les, pour le grand public. Les chaussures, faut enlever les chaussures. Faut enlever les chaussures, oui. Alors pour descendre, Isabelle va vous aider. On va enlever ça en bas. Bien sûr. Allez, venez, venez, Étienne, venez. Oui, je descends. Venez, voilà. Je vais vous défaire. Pensez que si Christophe arrive à passer l'épreuve, il va pouvoir participer à l'opération contre la drogue. C'est comment? C'est bien sûr. On a fait la fusée une fois, c'était. Surtout les cigarettes. Ah oui, mais ça. Je crois que c'est rien. Condition sportive. Alors maintenant, ça va être le salto. Alors, c'est la dernière. L'autre fois, c'était la fusée. Maintenant, c'est le salto arrière. C'est... Attendez. Hop, hop, hop. Attendez deux secondes, les gars. Bah, que je me familiarise un peu. On descend un petit peu. On descend un tout petit peu, merci. Ah, que je me superficie, sauf fruit. Comme dit Étienne, vous en avez un chez vous, donc c'est pas de jeu. Hop, ok, hop, on fait attendre les élastiques. Voilà, un petit peu. On a la même chose, ça va monter beaucoup plus haut. De plus en plus. Voilà, donc il faut garder ses jambes bien tendues. Hop, pas dis donc là. Est-ce que vous pouvez les faire pour faire du trampoline avec de l'élastique? Ça risque pas de toucher la tête là-haut? Non, un peu. C'est assez haut quand même. Non. Christophe, est-ce que vous pouvez parler du film pendant le... Je suis pas dingue. C'est marrant, j'ai pas pris de ce truc-là. La même chose, on lâche les mains. Dieu que les femmes sont amoureuses. On lève, on tourne, on lâche les mains. Avec qui c'est Dieu que les femmes sont amoureuses, Christophe? Si on peut, je peux lâcher. Faut tourner en haut, faut pas tourner en bas. Comment il faut tourner? Faut tourner en haut. Ah, mais oui, mais. Voilà, faut lâcher les ficelles, si possible. Sans les mains? Oui, sans les mains. Sérieusement? Oui. Bah, je l'ai fait. Je sens pas trop sans les mains, moi. C'est bizarre, on va voir la solidité du pantalon là. Voilà, très bien, on va essayer avec Garmousse peut-être. Je sais pas, petit peu, je suis pas sûr que ce soit solide ça. Oh, Dieu, il nous reste combien? 2 minutes. 2 minutes 30, le temps de mettre Patrice dessus. Le temps de mettre Patrice dessus, rapidement, il a relâché. C'est pas sûr qu'elle soit attachée, le truc. Si, si, elle est assez attachée, Patrice. Je crains le pire. Je vous vois largement assez attachée. Enlevez vos lunettes, vous. Oui, aussi. Dis-moi, Christophe. Oui. Je pense que... Oui, Étienne. Ce qu'on pourrait demander à Carmousse, c'est de... Alors, dire le générique du film pendant qu'il fait truc. Qui donne le titre du film. Le titre du film, le générique du film. Donc alors avec Catherine Jacob, Mathieu Carrière, Étienne Chicot, vite, 2 minutes, Patrice. Mano. Si jamais vous nous voyez partir, Patrice, c'est qu'on... Patrice, si jamais vous me voyez partir, c'est que je vais dire au revoir rapidement avant la fin. Mettez vos chaussures, d'ailleurs. Oui, non, ou alors c'est soit qu'on part rapidement dire au revoir, alors, c'est donc, soit que ça s'est décroché, que c'est vous qui vous barrez du côté de l'autre. De Magali. De la scène. Allez, Patrice, bien en fond de poil. Mets mes chaussures, Alex. Voilà. Faut pas plier trop les jambes dans la toile. Voilà, bien tendre les jambes dans la toile. Hein. Aïe. Qui dit c'est Dieu que les femmes sont amoureuses. Oui. Quand même une tenue avec qui? Avec Étienne Chicot, avec Catherine Jacob. Oui, et puis. Avec Benetton, avec... Oui, Mathieu Carrière. Avec qui encore? Pascal Audrey. Allez, vas-y, on lâche les mains, Patrice. Jean-Pierre Malot. Ah. Voilà. Essayez de rester droit, Patrice, concentrez-vous, sérieux. Voilà. Allez, restez droit, poussez. Et ça sort quand le poussez film? Demain. Faut pas le déconcentrer. C'était quand même un salto arrière en position tendue, il est le seul à l'avoir fait cette... C'est génial. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un salto arrière en position tendue, alors que vous avez fait tous un salto arrière en position tendue. Ah, c'est quand même d'un autre niveau. Mais parce qu'on a peur, on peut le remarquer. On va, Patrice, on vous laisse, on va dire au revoir. Bon, on va dire au revoir, Patrice, salut. A tout à l'heure, merci en tout cas, les camarades. Hop, hop, hop. Ça, j'ai pas mis mes lacets. Ah oui, c'est vrai. Voilà.